Bonjour à tous, bienvenue dans Le Monde au Féminin, une émission qui met en valeur les belles initiatives de celles qui osent aller jusqu'au bout de leurs projets, allonger la durée de vie des produits, encourager leur réutilisation. Mon invitée d'aujourd'hui milite contre le tout jetable. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Laetitia Vasseur. Laetitia, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Laetitia, vous avez 29 ans, vous avez étudié à la Sorbonne du droit et des sciences politiques. Vous avez travaillé également comme collaboratrice parlementaire au Sénat. Et il y a 3 ans, vous avez décidé de créer cette association HOP, halte à l'obsolescence programmée des machines. On va revenir un petit peu sur la définition de l'obsolescence. De quoi s'agit-il exactement ? L'obsolescence programmée, ça désigne en fait les stratégies industrielles qui visent à raccourcir la durée de vie d'un produit pour faire en sorte que vous en rachetiez plus souvent. Donc ça, c'est une définition qui maintenant fait partie du code de la consommation parce que c'est un délit. Depuis 2015. Et au sens de HOP, halte à l'obsolescence programmée, l'association, on entend l'obsolescence programmée accélérée de manière plus large. Vraiment, c'est une culture du jetable de produits qu'on aimerait voir durer plus longtemps, que l'on dénonce à travers notre activité. D'accord, alors on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce concept. Vous n'êtes pas la seule association de consommateurs, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à créer cette association par rapport à l'obsolescence ? Oui, alors en fait, nous, on est à la croisée des chemins entre l'association de consommateurs qui défend l'intérêt, en effet, des utilisateurs, mais aussi l'association environnementale parce qu'on défend, certes, l'intérêt des consommateurs, mais pas pour autant un projet consumériste. On est vraiment en train d'essayer d'allier les besoins des clients et les besoins de la planète, de l'environnement et faire en sorte que les deux se rejoignent. Et aujourd'hui, vous regroupez combien d'adhérents ? Alors, on a une large communauté d'environ 25 000 personnes aujourd'hui. Donc, ça rassemble des gens qui ont signé notre manifeste sur le site internet, des gens de la communauté des réseaux sociaux, on fait un regroupement. Et on pense avoir une large communauté qui nous permet après d'influencer les décideurs publics et privés pour avoir des produits plus durables et réparables. Mais comment on a pu en arriver là, à votre avis ? Alors, finalement, voilà, la définition, la première fois qu'on en parle, c'est dans les années 30 avec Bernard London, qui pense que c'est un concept, une théorie intéressante pour relancer la croissance. Ça pouvait être une bonne idée, sauf que dans les années 30, on n'avait pas conscience des problèmes écologiques qu'on sait aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est complètement une arnaque pour les gens, pour les utilisateurs. Et puis, bien sûr, ce n'est pas tenable sur le temps, au niveau de l'écologie, de la planète. Et donc, il s'agit bien de repenser le modèle. De repenser ce modèle. Avez-vous l'impression qu'il y a une conscientisation des esprits, est-ce qu'on en a marre ? Est-ce qu'il y a une sorte de ras-le-bol généralisé de la part des consommateurs lambda comme vous ou moi, par exemple ? Oui, aujourd'hui, si on regroupe en moins de 2 ans et demi, l'association est à 2 ans et demi environ, si on regroupe plus de 20 000 personnes, on pense que c'est bien qu'il y a vraiment un problème de fond, que les consommateurs en ont marre, tout simplement, parce qu'ils se sentent asservis à ces produits et voilà, c'est des boîtes noires qui sont difficiles à réparer, qui sont difficiles à garder dans le temps, alors qu'on aurait tendance à penser que c'est des produits comme le gros électroménager, les meubles ou même les textiles qu'on peut garder longtemps. Ouais. Parce que si on a de la qualité, on peut les garder. Et aujourd'hui, on est dans une culture où finalement tout devient jetable et c'est ce qu'on essaye de changer. Comment faites-vous, Laetitia Vasseur, avec votre équipe, pour prouver qu'un produit ou qu'une entreprise a délibérément essayé de raccourcir la durée de vie d'un produit ? Globalement, il y a un problème de qualité et d'accélération de renouvellement des produits. Ensuite, pour vraiment parler d'obsolescence programmée au sens de la loi, il faut faire une enquête. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur les imprimantes, c'est ce qu'on a fait avec une équipe de bénévoles. On a mis en place plein d'interviews, on est allé voir les professionnels, on est allé dans les magasins, on a désossé des imprimantes. On a vraiment fait un gros travail de fond pour pouvoir aboutir à un rapport d'enquête qui est venu d'ailleurs étayer notre avocat Émile Meunier pour vraiment avoir un dossier complet à la fois sur le plan technique et juridique. Et c'est comme ça qu'on procède pour déceler l'obsolescence programmée au sens de la loi. Alors, à notre niveau, Laetitia, comment est-ce qu'on peut faire dans cette société où le consumérisme est poussé à son paroxysme, comment peut-on faire pour quelque part résister à ça, à ce qu'on nous impose, puisqu'on nous impose un petit peu l'achat de ces produits ? Quelles sont les alternatives ?
Oui, en fait, les responsabilités sont partagées. Bien sûr, ce qu'on réclame, c'est que l'industriel change ses modes de conception et de production, que le distributeur aussi joue le jeu. Et puis, les consommateurs ont leur part de responsabilité. Le réflexe de la réparation, c'est aussi nous qui devons l'avoir, ne pas simplement acheter, jeter, sans même penser à réparer. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, ouais, de conscience, ouais, où il faut nous-mêmes résister et se tourner vers les alternatives. Parce que je crois qu'on arrivera à changer vraiment les choses à partir du moment où, de manière massive, les consommateurs qui ont le pouvoir d'acheter, au final, se tournent vers des alternatives, ce qui va challenger les grandes marques qui ne sont pas dans forcément des pratiques tout à fait honnêtes ou voilà, qui pourraient pratiquer de l'obsolescence programmée. Là, le consommateur, le citoyen, je dirais même, vraiment a le pouvoir d'essayer de changer à son échelle. Donc, on peut déjà commencer par réparer, soit réparer soi-même, réparer avec des guides sur Internet, etc. Se tourner vers des réparateurs bénévoles comme les Repair Café ou des réparateurs professionnels qui vont faire aussi très bien les choses. Ouais. Et puis après, on peut aussi réemployer, aller plutôt acheter des produits de seconde main pour allonger globalement la durée de vie du produit. On peut aller dans les recycleries, on peut faire énormément de choses et puis essayer d'être dans une démarche de sobriété, de toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile cet achat ? La sobriété heureuse, hein, c'est un concept que vous reprenez, qu'on doit à Pierre Rabhi, penseur, philosophe et également agriculteur bio. Cette sobriété heureuse, est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Comment vous faites, vous, Laetitia, pour la cultiver au jour le jour ? Oui, c'est un concept qui me plaît beaucoup. Moi, dans ma vie de tous les jours, vraiment, j'essaye d'être dans une forme de résistance à tout ce marketing, ce matraquage publicitaire, et de me poser la question désormais, est-ce que je peux m'en passer ? Enfin, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter ? Et puis ensuite, quand j'ai besoin d'acquérir vraiment quelque chose, plutôt de me tourner vers la seconde main et de, si je dois vraiment acheter un nouveau produit, de voir est-ce qu'il va être démontable, est-ce qu'il y aura des pièces détachées, de m'interroger sur la qualité, d'aller voir sur les forums les retours sur la qualité, parce que finalement l'idée c'est d'acheter peu et de garder longtemps. C'est donc voilà, il faut aussi pouvoir bien s'informer et puis regarder les solutions qui s'offrent autour de nous. Quel a été le cheminement dans votre vie qui vous a amené justement sur cette problématique du gaspillage ? J'étais depuis longtemps intéressée par les questions de consommation, d'économie. Et puis après, j'ai vu ce reportage un jour de Prêt à jeter de Cosima Donariser, que je conseille, Prêt à jeter sur Arte, qui explique vraiment de manière très pédagogique l'obsolescence programmée. À l'époque, on n'en parlait pas. Et ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai travaillé sur ce sujet déjà dans mon ancien métier. Et puis après, je suis allée faire un grand voyage, en Asie notamment, et dans le monde. Ouais. Et puis là, la rencontre avec d'autres modes de consommation, le fait de pouvoir prendre du recul, de réfléchir, de ne plus être dans des injonctions à la consommation systématique, m'a fait prendre conscience que... on pouvait être dans des démarches de sobriété, que ça pouvait apporter beaucoup de bien-être, de liberté, de légèreté. Et quand je suis revenue en France, à Paris, j'ai eu envie de créer cette association, de m'engager vraiment au niveau citoyen. On remarque souvent que les belles initiatives sont consécutives à des voyages qu'on a pu faire. Vous avez été donc en Asie, au Maroc, en Espagne également. Vous vous êtes rendu compte que les gens peut-être étaient très heureux avec, enfin très heureux non, tout est relatif, mais avec peu de choses, arrivaient à être heureux comparé à nous qui avons tout. Et il y a aussi cette idée de superflu, liquider le superflu. Je crois que vous avez divisé votre sac par deux. Oui, alors moi personnellement, je n'ai pas envie de parler à la place des gens qui vivent ailleurs. Je pense que quand on ne connaît pas forcément un certain mode de vie, on peut très bien vivre sans. Et puis peut-être qu'il y a des personnes qui aspirent à aller vers la surconsommation, une sorte d'abondance, d'opulence. Mais après, quand on y est, puis quand on y revient avec un peu de recul, on se rend compte aussi des côtés négatifs, du revers de la médaille. Et le fait de pouvoir aller à la rencontre de populations qui vivent avec moins, dans une forme de sobriété, ça m'a montré qu'on pouvait très bien vivre comme ça. Et en tout cas, à titre personnel, moi, je l'ai très bien vécu. Et justement, ça s'est passé par une démarche personnelle où, comme beaucoup de voyageurs, j'avais un sac
relativement lourd de 15 kilos. Ouais. Et puis un jour, j'ai tout enlevé. J'ai gardé que le strict minimum. Donc il me restait, je sais pas, 6-7 kilos avec lesquels j'ai voyagé pendant des mois et des mois. Ouais. Quasiment seule à l'autre bout de la planète. Et je m'en sortais mieux en fait. Ouais. Plus libre et moins dépendante de ces produits. Oui, ça apporte beaucoup de force, de confiance. De légèreté au sens propre comme au sens figuré. Donc, alors, Laetitia, on va passer à la question actu avec une photo que je vais vous montrer. Voilà. Cette photo, il s'agit de la marque Apple. Voilà, Apple, je crois que vous avez une grande histoire d'amour avec cette marque. Vous pouvez revenir, bon, c'est de l'humour, mais bon, je pense qu'on peut revenir dessus. Vous avez déposé une plainte contre Apple hein, pour l'obsolescence programmée de ses iPhones. Donc, le mastodonte américain qui avait admis d'ailleurs ralentir volontairement ses anciens modèles de smartphones. Où est-ce qu'on en est maintenant de l'enquête? Nous avons déposé une plainte fin décembre, comme on avait fait d'ailleurs sur le cas Epson au septembre. Mmh. Ensuite, le procureur a très rapidement décidé d'ouvrir l'enquête. Donc, il a donné les pouvoirs à la DGCCRF, qui est la police des consommateurs, d'investiguer vraiment sur le sujet. Nous, on va être auditionnés là prochainement pour donner les informations qu'on a pu recueillir, notamment plus de 8000 témoignages sur des gens qui se sentent victimes par rapport à leur téléphone Apple. Ouais. Donc, c'est tous ces éléments qu'on essaye de faire avancer avec la DGCCRF et le procureur pour que finalement un sentiment d'impunité des grandes marques comme Apple puisse cesser et qu'on soit vraiment protégé à l'égard de pratiques que nous, on qualifie d'obsolescence programmée. D'accord. Et Apple risque combien? Alors, la loi prévoit des sanctions. Mm-hmm. Pour une entreprise, il faut savoir que la sanction peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Mm-hmm. Donc, ça commence à être assez dissuasif. Puis surtout, c'est quelque part la confiance qu'on peut mettre dans une marque. Et si on se rend compte qu'il y a des dérives, mm-hmm. alors on est en droit de demander de manière collective à avoir des produits qui vont durer et qui vont être vraiment réparables et durables. Et ce n'est pas la première fois que votre association porte plainte. Il y avait l'affaire des imprimantes avec notamment les marques HP, Canon et Epson. Alors, par rapport à Apple, pour les utilisateurs, une petite question pratique, est-ce qu'il faut télécharger la dernière mise à jour? Je crois que vous conseillez de ne pas le faire. Alors, ça dépend. En fait, c'est à chacun de voir. En fait, soit d'après les experts, hein, parce que moi-même, je ne suis pas forcément une experte d'Apple et des smartphones, mais en fait, soit vous téléchargez la nouvelle mise à jour et il y a des risques forts de ralentissement du téléphone au point que vous ne puissiez plus l'utiliser, soit si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des risques de sécurité. Donc là, il faut choisir. C'est pas forcément. En fait, c'est un choix inextricable. Dans tous les cas, votre téléphone risque d'être inutilisable. Et c'est bien ça qu'on dénonce auprès de la marque et qu'on voudrait vraiment qu'il y ait des progrès qui soient faits. Laetitia, histoire de mieux vous connaître, on va passer à une rubrique qui s'appelle Questions-réactions. Je vais vous demander de répondre assez vite, du tac au tac, à quelques petites questions que j'ai préparées. Quelle est la personnalité qui vous inspire le plus dans votre vie ? En tant qu'une grande personnalité, un auteur, je dirais Pierre Rabhi. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. La loi que vous aimeriez faire voter, puisqu'on parlait de loi encore. Alors, j'aimerais qu'on fasse voter une loi contre l'obsolescence programmée. Notamment, là, c'est la feuille de route économie circulaire du gouvernement. On a des vraies propositions intéressantes. Maintenant, il faut que ça soit mis en œuvre. Et une loi, éventuellement, que vous aimeriez voir abrogée? J'ai pas en tête de loi à brûler. Pas grave, on passe à la prochaine. Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer. Je suis très peu dans des choses de luxe, alors. Oui, d'ailleurs, vous me l'avez dit. Le luxe dont je ne peux pas me passer, c'est d'avoir du temps pour moi et pour ma vie personnelle. Maintenant, c'est devenu un luxe presque dans une société qui s'accélère tout le temps. Et c'est quelque chose sur lequel je suis très. Je fais très, très vigilante. Et dernière question, le métier que vous auriez aimé, que vous auriez rêvé de pratiquer? Prof de philosophie. C'est vrai? Oui. Vous avez des références? Quel est le philosophe peut-être qui vous parle le plus? Ça peut être des gens comme Spinoza, Sartre. Il y a beaucoup de. Toute la philosophie en général
et les approches différentes d'une autre conception de la vie, enfin, toutes ces choses-là m'intéressent beaucoup. Merci Laetitia d'avoir joué le jeu. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de l'association Hop Halt à l'obsolescence programmée. On vous retrouve sur Internet, on vous retrouve également sur Facebook. Je rappelle que vous avez co-écrit aussi avec Samuel Sauvage « Du jetable au durable, en finir avec l'obsolescence programmée » aux éditions Gallimard. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir de recevoir des personnes inspirantes comme vous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt. Un grand merci aux équipes techniques, à Shahira Belkacem, Shaban Kassi, et je vous dis à très bientôt.